Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, c'est le principal, que tout se passe bien pour vous. Comme cette vidéo, en tout cas si vous m'entendez, comme cette vidéo sera transmise sur... Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne récemment et qui se sont abonnés tout simplement, et je vous en remercie car bien sûr que ça me fait plaisir, mais en dehors du fait que ça me fasse plaisir, c'est surtout parce que j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice en disant certaines choses, et je vous assure que bien souvent je pense pour une cinglée, pour une autiste, pour une dérangée, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, chacun croit ce qu'il veut et tout le monde sera content. Donc je voulais vous demander, donc c'est le titre de la vidéo de ce live en fait, qu'est-ce que vous allez faire le 11 mai? Sérieux, je vous demande, qu'est-ce que vous allez faire le 11 mai? Est-ce que vous allez reprendre gentiment le travail? Ah, sauf les restaurateurs, hein, ça, les restaurants, on n'a pas le droit. Est-ce que vous allez emmener vos enfants à l'école le 11 mai? Il n'y aura plus de danger du tout à partir du 11 mai? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Moi, en tout cas, je sais ce que je vais faire. Et puis, je sais aussi ce que je ne ferai pas. Comment dire? Est-ce qu'à partir du 11 mai... il y aura moins de danger. Je ne sais pas, ça fait peut-être comme pour les élections. Hein. Il fallait attendre le 15 mars, les élections. Je crois que c'était le 15 mars, hein, les élections, hein, municipales. Hein. Ouais, avant le 15 mars, il n'y avait aucun danger. Là, je suis désolée, il y a un petit peu de vent, il ne fait pas très chaud. Mais bon. Avant le 15 mars, il n'y avait aucun danger. Hein. On emmenait les enfants à l'école, on pouvait se déplacer comme on voulait, il n'y avait aucun danger. Le lendemain des élections, terminé. Ah, c'est horrible. Ah ouais, c'était horrible. On a vécu des moments horribles. Je ne parle pas pour tous ceux qui ont été atteints et qui ont été gravement atteints et qui ont laissé leur vie, et je tiens ici à envoyer toutes mes condoléances aux gens qui ont perdu de la famille pendant cette épidémie, cette pandémie, on l'appelle comme on veut, c'est chacun sa façon de voir. Néanmoins, c'est bizarre comme le virus peut arriver aussi vite qu'il est parti pour le gouvernement. Hein. Le 26, à partir du 26, c'était très, très, très grave, hein. Confinement total, confinement. À partir du 26, hein. À partir. Et là, à partir du 11 mai, c'est pareil. Alors, libre cours aux enfants, les enfants, allez à l'école. On s'en débarrasse, à l'école. Tant pis pour vous. Alors, bien sûr, il est évident que les enfants vont respecter, hein, tout ce qui est sécurité, se laver les mains, garder un mètre de distance entre leurs copains, c'est évident, ils vont le faire, hein, parce que bah, bien sûr, mais voyons les enfants, hein, qui aiment bien se chiffonner, s'amuser et tout, et ils vont garder, ouais, le mètre, il va être préservé, et il n'y a aucun souci là-dessus. Sans compter que dans la foulée, un enfant peut être porteur sain ou pas, hein, et qu'il peut très bien contaminer l'enseignante, hein, ou l'enseignante contaminer l'élève, hein, peu importe. Hein. Bref, on risque d'être encore dans un joli bordel. Hein, je sais pas, mais j'ai pas d'autre mot. Un joli bordel. Que vous dire? C'est ça que vous voulez? C'est tout et n'importe quoi, c'est ça que vous voulez pour vous, c'est ça que c'est. Alors notre petit monarque a lancé la bombe. Allez, il a lancé le tsunami,
Le 11 décembre, le 11 décembre. Qu'est-ce que j'ai avec le 11 décembre? Le 11 mai, allez, on commence à déconfiner. Ah oh, là 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 là. Et maintenant, on attend. Alors, il n'est pas con, hein, parce que il a dit, on vous donnera des informations au fur et à mesure que le temps passe. Donc, ça veut dire que il a lancé la bombe et maintenant, il attend de voir comment le peuple va réagir. Et selon comment le peuple va réagir, il va prendre des mesures en conséquence. C'est bien. Hein? Je vous rappelle quand même qu'à l'origine, c'est à lui de prendre les décisions et c'est le président. Hein? C'est lui qui doit prendre les décisions. Mais bon, au final, quand on voit les décisions qu'il a prises jusqu'à maintenant, il vaut mieux pas qu'il les prenne. Hein? Vaut mieux pas. Hein? Faut mieux que ce soit le peuple qui prenne les décisions. C'est ça. Il faut réagir avec. En fait, moi, personnellement, pour le. Alors, le 11 mai, pour moi, ça ne va rien changer du tout. Absolument rien du tout. Je suis considérée comme quelqu'un à risque. Eh oui, fibro, cancer, considérée comme quelqu'un à risque. Mon mari aussi, considéré comme quelqu'un à risque. Problème cardiaque, cancer. Quelqu'un à risque. Donc au final, le 11 mai, ça n'a rien changé du tout. Parce que du fait, comme on est considéré comme des gens à risque, du coup, notre fils, il ne pourra pas aller à l'école. Hein. Non, il est considéré comme. Il est là, hein. Il peut être porteur ça, il nous a porté la maladie finalement. Donc pourquoi? Non. Non, non, il ira. Et non. Et non. Alors par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi, pourquoi on aurait le droit d'aller. À l'école, hein, d'emmener nos enfants à l'école, hein, et on n'aurait pas le droit d'aller au resto. Ça, il faudrait qu'on m'explique. Hein. On n'aurait pas le droit d'aller au resto. Non. Même en terrasse, hein, c'est interdit. Il a dit, pas de resto. Non, vous êtes punis, vous n'avez pas mérité le resto, donc vous restez à la maison. Ben ouais. Ben, moi je pense qu'on tourne à pardon, mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Est-ce que vous vous rendez compte de. Je comprends pas les gens qui ne voient pas. Les gens qui ne voient pas ce qui se passe actuellement. Ça, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est hallucinant. On vous montre, même eux, ils vous montrent ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Ils vous montrent ce qu'ils ont décidé. Hein. Ils vous le disent. C'est écrit partout sur Google, c'est écrit partout sur Internet ce qu'ils veulent faire de nous. Eh ben non. Eh, ça ne fonctionne pas. Non. Vous n'avez toujours pas compris leur dessin. Vous n'avez toujours pas compris ce qu'ils ont derrière la tête. Mais il vous faut quoi? Il vous faut quoi exactement? Moi, personnellement, hein, la désobéissance citoyenne, hein, il n'y a que ça. Mais bon, voilà. Alors, ce virus, il est formidable, ce virus, ouais. Vous avez vu, il est tout petit, hein. On le voit pas. Quand on est en guerre avec un autre pays, on voit les canons, on voit les soldats qui s'amènent, on voit tout. Là, aujourd'hui, on a affaire à un virus qui n'en fait qu'à sa tête et qui nous met tous en quarantaine. Ça, sérieux. Hein? Et puis, selon les dirigeants qu'on a, hein, parce qu'il faut dire qu'il y en a quand même qui sont quand même un peu plus malins que les autres, eh ben nous, on n'a pas de bol. On est tombé sur quelqu'un, on est tombé sur un électron libre qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne voit que son profit, et que bah, nous, et on est les esclaves de ce petit monarque qui ne veut qu'une chose, c'est se remplir les poches. Hein, parce que je vous rappelle quand même que ce petit monarque, hein, c'était quand même avant qu'on le connaisse, hein, bien avant qu'il soit élu. Alors, il a fait quand même partie de la Banque des Rothschild, hein, et il était secrétaire général, voire même président de la Banque des Rothschild. Hein. Et comme dirait quelqu'un que je connais, il est devenu ministre des Finances. Non, vous voyez pas là un petit peu ce qui se passe? Non?
Bah, de ministre des Finances. Bah, voyons, bah, il est devenu président. Ah, il a été un petit peu poussé, hein, il a beaucoup été aidé et un petit peu poussé. Ouais. Le but? Les parents ont le dernier mot? Oui, les parents ont le dernier mot. Mais quel sera-t-il le dernier mot des parents? C'est ça qu'il faut voir. Quel sera le dernier mot des parents? Parce qu'autant il y a des parents qui vont dire de mon enfant, hors de question qu'il aille à l'école, et qui va continuer bah, gentiment à la maison à faire ses devoirs. Normal, quoi, hein, tranquille. Hein. Moi, je vous dis, sérieux, et là, je blague pas. Et là, je blague pas. Je vous dis que mon fils a appris à lire il a mieux appris à lire pendant les 2 semaines de confinement qu'il y a eu que pendant tout le temps qu'il a été à l'école. Alors, il y a quand même quelque chose, moi je ne sais pas, il y a un cheveu dans le potage, hein, je ne sais pas, hein, il y a un cheveu dans le potage. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Hein, parce qu'il lit mieux maintenant que quand il allait à l'école. Alors, dites-moi à quoi ça sert l'école? Sérieux? À quoi ça sert? Et en plus, ils veulent commencer par les écoles, ouais, ils veulent que les enfants rattrapent le retard. Moi, mon fils, il n'a pas eu de retard. Au contraire, il a pris de l'avance pendant qu'il est à la maison. Donc, à un moment, il faut remettre les choses dans l'ordre, hein? Il faut remettre les choses à leur place, hein? Bon, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est vrai que je ne comprends pas. Nous sommes dans un système où, voilà, c'est le président qui décide quand le virus est dangereux ou pas. C'est complètement ahurissant, quand même, hein? Le président décide quand il est dangereux ou pas, hein? Avant le 15, il n'était pas dangereux. Après le 15, il était dangereux, il était mortel. Tout le monde à la maison. À partir du 11 mai, il sera plus dangereux. Les enfants à l'école. Non, mais sérieux. Ça vous dérange pas? Ça fait pas tilt quelque part dans votre tête? Ça vous interpelle pas? C'est normal? C'est logique, hein? Tout le monde trouve ça très bien. Non, mais oui, c'est cool. Bah, à côté de ça, les restaurateurs, bah, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. On peut dire, de savoir pourquoi? Parce qu'il y aura moins de gens dans un restaurant que d'enfants dans une école. Hein. Dans l'école, ils seront beaucoup plus de 30 hein, dans une école. Hein. Dans un restaurant, non. Alors pourquoi ouvrir les écoles et pas les restaurants? Ça, c'est la question. Hein, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, hein, n'hésitez pas à me la donner. Parce que alors moi, je ne comprends rien. Bon, à vrai dire, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que moi, ça ne va rien changer à ma vie. Moi, si je fais ça. Et si je vous dis ça, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre qu'on vous manipule, ouais. Qu'on vous manipule depuis longtemps, hein. Parce que comme je vous disais, le petit monarque, il a été mis en place. Même si ça déplaît à beaucoup, hein, le petit monarque, il a été mis en place exprès pour qu'on vive la merde qu'on vit actuellement. Parce que derrière le confinement, hein, bon, je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais comme tout le monde ne regarde pas. Là au moins, bah, peut-être qu'on aura plus qu'à regarder, je ne sais pas. Mais derrière ce confinement, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent derrière le confinement. Genre les installations des antennes 5G, hein, voilà. Histoire qu'on aille plus vite, plus droit dans le mur. Ah, ça va être génial. Ah. Et puis il y a la 6G aussi qui se prépare, et puis la 7 aussi qui est en préparation. Ah ben, non, mais on ne va pas assez vite dans le mur, donc on nous envoie comme ça, allez, hop, dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a aussi derrière le confinement? Ah oui, ils nous ont voté un décret par-dessus une loi, ouais. Je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais c'est encore un truc pour bien nous foutre dans la merde. Il y a plein de choses qui se passent derrière le confinement. Bonjour à tous ceux qui y arrivent. Donc, il y a plein de choses qui se passent derrière le confinement. Le confinement, c'est juste pour pas qu'on voit ce qui se passe. Voilà. Alors, on nous confine, histoire qu'on ne voit pas ce qui se passe. Alors, je ne veux pas dire que le virus, ce virus, hein, Covid-19, ne soit pas un méchant virus. Bah, au final, tous les virus sont méchants. Hein. Bah ouais, bah, tous les virus sont méchants. Donc, si on part sur ce principe-là, moi j'en ai un autre. Mais bon, celui-ci parle davantage aux gens. Donc je vous parle de celui-là. À la base, tous les virus sont méchants. Ça dépend comment on se protège, comment on est déjà à l'intérieur. Est-ce qu'on a une bonne défense immunitaire ou pas? Est-ce qu'on a peur ou pas? Comment est-ce qu'on vit
ce moment, etc. Donc voilà, donc tout part de là. Hein. Arrêtez les infos, hein. Arrêtez les infos, hein, parce que je l'ai vu l'autre fois, hein, que les infos, histoire de bien vous faire peur, hein, bien vous tenir dans la peur et dans l'angoisse, hein, et surtout pas que vous ayez une gramme d'espoir. Hein. Ils vous ont passé une vidéo sur M6, je l'ai vu, hein, la vidéo sur M6, avec des cercueils en randonnion, je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo. Des cercueils en randonnion, hein, parce que quand vous comptez tous les morts qu'il y a eu, ouais, mais si vous alliez chercher, hein, au lieu de croire tout ce qu'on vous dit à la télé, si vous alliez chercher un petit peu, hein, parce que moi, elle m'a semblé bizarre quand même. Il m'a semblé l'avoir déjà vu ce truc, mais bah ouais, la vidéo qu'ils vous ont passée pour vous dire que c'était le Covid qui tuait tous ces gens-là et qu'il y avait des cercueils. Eh ben, elle datait de Mathusalem. Elle, c'était pas de maintenant. Et ça, si vous êtes un peu curieux, vous allez voir. Hein. Elle date pas de maintenant. Ça, elle remonte à 1 voire 2 ans, cette vidéo. Et elle a même pas été prise en France. Voilà. Donc c'est pour vous dire que les fakes, c'est pas nous qui les faisons. Hein. C'est pas nous, le peuple, qui les faisons, les fakes. C'est le système qui les fait, les fakes, pour que vous ayez peur. Et plus vous allez avoir peur, et plus vous allez compter sur le système. Moi, j'ai vu des gens à la télé qui disaient au petit monarque, hein, ils disaient, s'il te plaît, sors-nous de là, sérieux, c'est lui qui nous a foutus dans cette merde, et maintenant vous lui demandez, sors-nous de là, mais vous croyez qu'il va vous sortir de là, sérieux? Vous croyez qu'il est là pour vous sortir de la merde dans laquelle il vous a mis? Eh bien, si vous croyez encore ça, vous êtes mal barrés, les enfants. Eh ben oui, hein. Parce que si vous n'avez pas décidé, si le confinement, là, actuellement, ne vous a pas servi et que vous n'avez pas décidé de vous prendre votre avenir en main dès le déconfinement, eh ben, je vous souhaite bon courage. Et je vous souhaite bon courage. Et je ne suis pas la seule à le dire, hein. Il y a d'autres vidéos qui tournent, hein. Et je vous souhaite bon courage. Hein. Parce que là, vous allez avoir droit au vaccin. Ce fameux vaccin. Bien sûr, Maroussia, que ce sont des montages. Et c'est pour vous faire peur, tout simplement. Mais va faire comprendre ça aux gens. Ah, il va leur faire comprendre. Hein. Ceux qui demandent au président de les sauver ne peuvent pas comprendre que ce sont des montages. Forcément, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors moi, j'ai posté des trucs sur Bill Gates ce matin, je sais pas si vous êtes un petit peu attardé sur l'histoire. Hein? Moi, j'aimerais savoir, je vous pose la question, hein, vous avez peut-être une réponse ou pas, je ne sais pas, mais j'aimerais savoir ce que un homme qui s'intéresse tellement à l'informatique, hein, qui est un grand Microsoft et tout ça, hein, je parle de Bill Gates, bien sûr. Une personne qui est dans l'informatique, qu'est-ce qu'elle va faire dans la santé? Est-ce qu'on peut me le dire? Quel est le rapport entre les deux? Informatique, santé, quel est le rapport entre les deux? Il n'a aucun diplôme au niveau de la santé, il n'a pas fait d'études de médecine, il n'a rien. Mais alors, il n'a aucun rapport avec la médecine, aucun. En dehors de celui-même. Ouais, non, mais c'est pas grave, hein. Tu sais, c'est qu'une étiquette, hein, Maroussia, hein, qu'on te prenne pour une folle. Moi aussi, hein, je m'en fous, hein. Ça me passe au-dessus. Oh là là, on peut bien dire ce qu'il veut. On verra qui sont les fous le jour où le mur va s'approcher tellement fort qu'ils auront plus assez de force pour freiner. On va voir qui sont les fous. Si tu veux que je te dise, c'est comme ça, hein, c'est pas autrement. Hein. Donc, moi, j'aimerais que ceux qui sont là, hein, il y en a 3, ça dépend. Des fois, il y en a plus qui regardent, moi, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce que Bill Gates vient faire dans la médecine. Il a ouvert une fondation avec sa femme pour venir en aide à tout le monde, bien sûr. Oh, il a plein de pognon, hein. Comme il a plein de pognon, bah, il ne savait pas quoi en faire. Il a dit, je vais faire une bonne action, hein. Je vais créer des fondations. Voilà, des fondations. Puis tant qu'à faire, faire des fondations dans la médecine, hein, c'est mieux.
Parce que... Bah, pour papa, hein, après tout, hein. Le maître du monde doit rester le maître du monde. Alors, dites-moi, quel est le rapport? Je l'ai, le rapport. Je l'ai, le rapport. Le rapport, il est sur ma page. Je l'ai mise en vidéo. Le rapport, c'est qu'il a dit qu'il y avait trop de monde sur Terre. C'est qu'il fallait diminuer les êtres humains parce que on est bientôt 8 milliards, vous vous rendez compte, sur Terre, et que la Terre, elle peut pas nourrir tout le monde, c'est pas possible. Bon, la petite parenthèse étant que, ne serait-ce qu'en France, il y a des endroits où il n'y a personne. Il y a Deguin, comme dirait quelqu'un que je connais, hein, il n'y a personne. Alors, comment ça se fait que la Terre ne peut pas. Et puis, il y a d'autres endroits, hein, moi je vous parle de la France parce que j'y habite, hein, mais il y a d'autres endroits, hein, il n'y a personne. Alors, au-delà à dire que la Terre ne pourra pas faire vivre tous ses habitants, bon, moyen, moyen. Bah oui. Après. Oui, ben oui, ben oui. Après, donc, il part du principe que la Terre est surpeuplée. Et que donc, va falloir diminuer les gens. Alors, ils ont déjà commencé, hein. Ils ont commencé par une personne âgée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais en EHPAD, c'est l'hécatombe. Hein. C'est l'hécatombe. Dans les EHPAD, c'est l'hécatombe. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait pour choper le virus alors qu'il n'y avait que les soignants qui étaient là, qui étaient testés et tout, mais c'est l'hécatombe. Je ne sais pas. Bon. Je cherche pas à savoir, c'est comme ça. C'est très triste pour ces personnes, franchement. Et j'ai beaucoup d'empathie et pour eux et pour leur famille. Mais voilà ce qui arrive quand on s'accroche au système. Tu ne comprends pas son but? Eh bien, je vais te le dire, son but, ma chère Marussia. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Il a décidé, donc, monsieur. Qu'on était trop nombreux sur Terre. Je ne sais même pas pourquoi, de quel droit il a décidé. Juste parce que c'est l'homme le plus riche du monde? Ou juste parce que. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il a décidé qu'on était trop nombreux sur Terre. Donc, il fallait éliminer. Pas mal de monde. Hein. Pas mal, hein, pas mal. Hein, parce que sinon, la Terre, elle ne s'en sort pas. Hein, donc, il faut éliminer pas mal de monde. Et donc, grâce à ça, eh ben, on a les vaccins pour éliminer. Hein. D'où le fait qu'on a ce virus et d'où le fait que les gens attendent avec impatience qu'il y ait des vaccins qui soient faits de façon à éradiquer le virus. Bon, je vous rappelle quand même qu'un vaccin, c'est constitué du virus qui est inactif. Voilà. Donc à partir de là, le virus est inactif. Mais il lui faut pas grand-chose, hein, parce que ce virus-là, il est quand même un peu spécial parce qu'il mute. Il mute très 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 vite et très rapidement. Hein. Donc il est un peu spécial. Donc il nous faut un vaccin. Un vaccin qui, ils l'ont. Mais elle est passée entre tellement d'informations qu'on ne l'a pas vu. Un vaccin qui sert à rien. C'est un vaccin qui sert à rien parce que le virus mute sans arrêt. Du fait, vous allez avoir un virus qui va muter tout le temps. Et le jour où vous aurez le vaccin. Et donc, vous serez encore malade, malgré le vaccin. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Ben, je sais pas, Marussia, peut-être qu'il s'est ligué avec les forces obscures. Je sais pas. Peut-être. Hein, moi, je vois que ça. Parce qu'au final... Le rapport entre cet homme-là et la médecine, c'est que. Alors là, ça y est. Hein, pardon, excusez-moi, hein, je suis complotiste. Le problème, c'est que, comme c'est un génie au niveau de l'informatique, et bah, du coup, il va pouvoir faire plein de nanoparticules, hein, qu'on va nous mettre dans le vaccin, de ceux qui voudront accepter le vaccin.
Et donc, ça, c'est pas moi qui le dis, on en parle à la télé et c'est partout sur Internet. Hein, je ne vous parle pas de Facebook, hein, c'est partout sur Internet. Il y a des nanoparticules dans ce vaccin. C'est-à-dire que quand vous serez vacciné, hein, pour ceux qui attendent le vaccin avec impatience et qui n'ont pas encore compris l'histoire, hein, quand vous serez vacciné, eh ben, vous serez suivi. Bah, oui, vous serez suivi. Et vous aurez le droit, ou pas, grâce à ce vaccin, de pouvoir vous promener, faire le tour du monde, ou rester confiné en France si vous n'avez pas le vaccin. Ben ouais. Soit vous prenez le vaccin et là vous êtes libre d'aller où vous voulez, c'est-à-dire de dispatcher la maladie partout dans le monde au final, puisque le virus aura muté et que vous serez encore contagieux, donc tout dispatcher dans le monde. Ou de rester confiné en France. Voilà. Bon. Moi personnellement, le vaccin, j'en veux pas. Si je dois rester confiné en France, eh ben je serai. Comment voulez-vous que j'aille de toute façon? Pas le droit d'envoler. Ah si, j'aurais bien fait le tour du monde. Mais bon. Le tour du monde contre un vaccin? Non. Hors de question. Pas de vaccin. Non. Non, 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 je veux pas. Je veux pas. Je pense que je suis déjà assez espionnée via les téléphones, via la box, via tout en fait. Hein. J'ai pas en plus besoin d'avoir une puce dans mon corps qui dit ouais, feu rouge, feu vert, c'est bon, elle a eu son vaccin, elle peut aller à droite et à gauche. Feu rouge, elle n'a pas eu son vaccin, donc elle n'aura pas accès à son argent, elle n'aura pas accès à son compte en banque, elle n'aura pas accès au voyage dans les avions autour du monde, etc. Et bien, j'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Hein? Si je dois rester en France, je resterai en France. Je m'en fous. Ça ne me pose aucun problème. Mais je sais pas si c'est un fan des lapins blancs, des lapins rouges, des lapins noirs. En tout cas, c'est pas un mouton noir, ça je peux te le dire. Hein. C'est un mouton qui est bien dans ses cases. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ben oui, d'accord. Alors on est deux là, tu vois, on est là et j'ai cinq personnes. Ah ben, bonjour à ceux qui sont arrivés. Tiens, j'en ai deux de plus. Nous, on ne veut pas. Mais à côté de ceux qui l'attendent, il y en a combien qui l'attendent le vaccin avec impatience, sérieux? Il y en a combien? Alors, moi, je ne sais pas de quoi les gens ils ont peur. Pourquoi ils attendent le vaccin avec autant d'impatience? Je comprends. Je comprends pas. Le virus. Vous avez trois solutions. Non, en plus. Non, bah, ah, bah, bien sûr. Tu crois qu'il va vacciner ses enfants? Bien sûr que non, qu'il ne va pas vacciner ses enfants. Il sait ce qu'il y a dedans. Il ne va pas les vacciner, ces gamins. Mais tu rigoles ou quoi? Il n'est pas con, hein, quand même. Hein? C'est ses descendants. Hein? Faut faire vivre la machine. Hein? Tu m'étonnes qu'il ne va pas faire vacciner ses enfants. Attends. C'est comme si tu avais mis du poison dans l'eau et puis que t'es le premier à le boire. Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu vas le faire boire à ton ennemi, hein? Sûrement pas, tu vas pas le boire, toi. Hein? Donc voilà. Tiens, parlant d'eau, pardon, excusez-moi, mais j'ai besoin de boire aussi. Alors, tout ça, pour vous dire que donc, il a décidé d'éradiquer la population. Voilà. Eh bien, ouais, la Terre, elle ne peut pas tous nous supporter, donc il va falloir diminuer la population. Alors, on commence par nos anciens, et puis par nos jeunes aussi, les bébés avec les 11 vaccins obligatoires. Ouais, parce qu'il faudrait que le vaccin de la diphtérie vienne faire en France. Ça, il faudra qu'on m'explique. C'est une prévision pour plus tard, pour quand les enfants seront grands, quand ils iront peut-être faire le voyage en Afrique ou un truc comme ça. Mais vu que la Terre est en pleine rotation actuellement, que ça bouge dans tous les sens et tout, peut-être bien que le jour où vos enfants qui ont été vaccinés des 11 vaccins avec la diphtérie et toutes ces cochonneries dedans, eh ben l'Afrique, ça ne sera plus un pays qui aura besoin de ça, il aura changé de camp. Et donc la diphtérie, ben, ça va mettre à mal vos enfants, mais c'est tout ce que ça va faire. Non mais 11 vaccins. 11 vaccins? À quoi ça sert? À quoi ça sert?
Mes enfants, ils ont eu le BCG, l'Aurore, et encore pas tous parce qu'ils ont été malades quand ils étaient petits. Donc le BCG, l'Aurore, la polio. Terminé. Et tout va très bien. Tout va très bien. Alors j'aimerais savoir hein, l'utilité des 11 vaccins. Surtout avec tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous avez pris le temps de vous informer, d'aller chercher quelles étaient les composantes des 11 vaccins? Et ça, vous l'avez sur Internet, c'est sur des sites. Et si vous avez peur que le site soit un fake, maintenant, ils ont mis des petits points verts à côté en disant fake, pas fake, fausse page, etc. Je vous assure. Il vous donne toutes les informations sur les compositions des vaccins. Et si après ça, après que vous ayez vu la composition des vaccins, hein, parce qu'ils mettent quand même dedans pas mal de saloperies, hein, des animaux morts, le sang des fœtus avortés, entre autres, hein, c'est. Ah ouais, nana, mais si votre enfant il arrive à survivre à ça, c'est que vraiment il a des immunités. Waouh! Génial! Jacqueline, bonjour. Coucou, vous tous. Le décès des vaccins, des enfants, qu'y a-t-il dans les vaccins? Je suis très méfiante et non, je ne ferai pas ce vaccin. Ben écoute, si tu veux le faire, tu as raison. Enfin, moi, mon opinion, c'est que tu as raison, puisque. Mais ben, tu peux toujours te renseigner, je te dis, hein, tu vas sur Internet et tu te renseignes hein, quelle est la composition du vaccin. Alors, ils vont peut-être pas te dire qu'il y a des nanoparticules dedans. Non, non, ça c'est peut-être. Je vais te voir, je vais te voir. Je suis pas intéressée par le vaccin, je vais te voir. Mais j'ai été voir, par contre, parce que j'ai des petits-enfants, donc je me suis intéressée aux 11 vaccins pour les enfants. Et là, si c'est pas un génocide global, je sais pas ce que c'est. Sérieusement, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'on vienne pas me dire que c'est des fake news, hein, parce que je vous attends avec vos fake news. Parce que moi, les recherches, je les fais avant de gueuler, et je fais mes recherches sur des sites sûrs. Hein? Pas compliqué, je fais des recherches aussi sur le site des gouvernements. Eh ouais, parce que eux aussi maintenant ils disent. Ils le disent. Bah ouais. Bah oui, puisque plus tout se sait maintenant, plus rien ne se cache. Donc pourquoi nous cacher ce qu'il y a dans les vaccins, puisque tout le monde le sait déjà. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc je disais nos petits vieux, nos enfants. Bah, nous, par la même occasion, donc déjà dû à la pandémie, dû à toutes les saloperies qui nous envoient du ciel et dû aux pesticides qu'on met dans les légumes et les fruits, forcément. Bah, Maroussia, c'est pas compliqué. Tu vas sur Google et tu regardes devant ta. Tu cherches une info, hein, donc tu tapes ta demande et tu regardes, tu as des sites qui vont se mettre et à côté, tu as un petit en vert. Voilà, tout simplement. Et si tu poses ta souris dessus, tu vas avoir ton antivirus qui va s'activer en disant oui, c'est un vrai site ou non, c'est un faux site. Voilà, tout simplement. Il va plus vite que ça. Voilà. Après, tu as le petit i aussi. Tu peux aller regarder pour voir si c'est une page qui est une page qui fait des fake news ou pas. Après, on va te dire ouais, ça peut être un extrémiste ou un extrémiste de gauche ou un extrémiste de droite ou de toute façon, tu seras toujours catalogué de quelque chose de toute façon. Donc voilà. En tout cas, les informations, elles fusent. Si on les cherche, on les trouve. Voilà. Jacqueline, il ne faut pas oublier que l'objectif mondial est le génocide de. Ah voilà, merci beaucoup, merci de confirmer ce que je disais. Voilà, merci, merci. Moi, j'ai comme ressenti trois quarts, et trois quarts de la planète. Et trois quarts. Donc sur 8 milliards, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est là, mais c'est le nouvel ordre mondial.
Mais je crois que ça marche aussi sur téléphone. À vrai dire, j'en sais rien parce que je vais pas. Moi, le téléphone, je m'en sers surtout pour faire les vidéos. Donc, j'y vais quasiment. Ou pour appeler ma famille. Hein, mais sinon. Hein? 10 998? J'ai pas compris là. Un article japonais depuis. Il y a dû y avoir un chiffre en trop là, Jacqueline. Je comprends pas tout là. Bref, toujours est-il qu'on veut diminuer les 3/4 de la population et que l'objectif est en train de se mettre en route. C'est pour ça que j'ai mis sur la page. C'est pas moi hein, qui choisis mon camp. Moi, mon camp, je l'ai choisi. Hein, c'est bon. Hein. Mais ah oui, voilà, 1998. On est d'accord. Ok. Bien. Oui, je me disais bien aussi, il y avait un chiffre quelque part qui s'était glissé, qui n'était pas correct, mais ouais, voilà, c'est ça. Et donc, environ 3/4 de la population doivent disparaître de la Terre pour que le nouvel ordre mondial s'impose. Ben oui, vous comprenez bien que un seul homme à la tête de 8 milliards de personnes, c'est juste pas possible. Donc on va les éliminer. Ah ben je vais vous parler du pape aussi. Ça vous intéresse le pape? Je suis pas de religion non plus. Hein. C'est juste pour info, hein, mais bon. Rien à foutre. Il a renoncé à son titre de vicaire du Christ. Vous savez ce que ça veut dire, les chrétiens, les catholiques, ce que ça veut dire, renoncer au titre de vicaire du Christ? Je vous laisse aller chercher. C'est pas mal, hein, pour un pape. C'est la première fois que ça arrive. Hein. C'est phénoménal. Hein. Et donc, d'après ce qu'on nous dit, enfin, moi ce que me disaient mes parents, c'était que au bout du 25e pape, ça serait la fin du monde. Vous savez quoi? C'est notre 25e pape. Ah, mince. C'est ballot ça. Alors, c'est notre 25e pape. Il renonce à être vicaire du Christ. Ah oui, mais j'ai oublié. Oui. Il est en tôle. Enfin, il est en tôle. Non, non, il n'est pas en tôle. Non. Ah non, 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 pas encore, pas encore. Mais il est sous haute surveillance. Ouais. Il est dans sa maison de campagne en Italie, entouré de gardes du corps. Voire même peut-être avec un bracelet électronique, je ne sais pas, d'après ce que j'ai ouï dire. Si? Si? Enfin, il n'est pas arrêté, non, pas avec les menottes et en prison. Non, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Non, non, non. Lui, il est juste très bien encadré. Avec comment dire, c'est pas des policiers. Enfin, il a été arrêté par les policiers quand même d'Italie. Hein. Il a été emmené dans sa maison de campagne. Hein? Et là, il est entouré de personnes beaucoup plus importantes que les simples gendarmes d'Italie, bien entendu. Hein? Il est sous haute surveillance, si vous voyez ce que ça veut dire. Assigné à résidence, tout à fait, voilà. Alors, j'ai vu aussi sur Facebook, comme que je vous dis que Facebook, c'est tout et n'importe quoi. Oui, source Q, entre autres. Alors, source Q anonyme, hein, pour info, entre autres. Parce que je l'ai déjà vu sur d'autres sites hein, que celui-là. Hein. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas que des conneries et que la vérité ressort toujours à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, nous en étions donc à la résidence. Ouais. Tu m'as coupé la parole. Oui, alors tu as le pape, tu as la reine d'Angleterre. Tu as, enfin tous les grands quoi au final, ils sont assignés à résidence. Eh ouais. Ah oui, le Canadien aussi. Le Canadien aussi. Par contre, Epstein n'est pas mort. Écoutez, depuis ce matin, j'ai juste. C'est les énergies qui arrivent là, je sais pas, mais j'ai une envie de rire phénoménale. J'ai envie de faire la fête, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de. Bref.
Donc oui, tous les grands, quoi, tous les grands sont tous ceux qui se croyaient être les et tout. C'est marrant parce que alors on va pas dire, on va pas dire qu'ils sont confinés, enfin en sous surveillance, on va pas dire ça. On va dire qu'ils ont attrapé le Covid. On va dire qu'elle va attraper, qu'ils ont attrapé le Covid. Et que donc, bah, ils sont obligés de se protéger, forcément. Hein? On va pas dire qu'on les a arrêtés. Hein? Les gens, ils prendraient tout le monde pour des cinglés, ils diraient c'est pas vrai. Donc, ça sert à quoi de dire la vérité, puisque les gens ne croient pas. Donc, ils ont attrapé le Covid. Alors, tous les grands qui ont attrapé le Covid de ce monde, hein, tous les grands de ce monde qui ont attrapé le Covid, y a une chance sur deux que ce soit le cas. Ou peut-être les deux. Hein? Soit ils ont attrapé le Covid, soit ils ont été arrêtés, soit ils ont attrapé le Covid et ils ont été arrêtés. C'est au choix. Mais bon, moi je vous conseille, sérieux, sérieux les gars, les filles, hein, sérieux. Hein, moi je vous conseille de faire vos recherches, chercher un petit peu, hein, parce que je trouve que c'est un petit peu facile quand même d'entendre des gens parler, d'avoir des informations et après de venir critiquer en disant c'est du complot tout ça, mais on n'y croit pas, mais c'est n'importe quoi, mais allez, ça y est, dis-moi quelle est l'herbe que tu fumes là, que je fume la même parce que c'est trop cool, c'est n'importe quoi. Non mais sérieux, faites vos recherches, ça je vous le conseille, faites vos recherches, tout est sur internet, il suffit de vouloir, vous tapez ce que vous voulez, votre demande, vous la tapez, vous regardez, vous trouverez les solutions. Faites vos recherches. Je peux pas vous dire mieux. Et moi, j'ai fait mes recherches. Moi, j'ai choisi mon camp. Ça y est, j'ai choisi mon camp. Et mon camp, c'est autre que celui que l'on vit actuellement. Voilà. Je n'adhère pas à ce système. J'ai toujours été une révoltée. Et là, je n'adhère pas à ce système du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? Il va à contresens de tout. Il va à contresens de la vie. Il va à contresens de tout ce qu'on est. Hein? Il nous mène. Mais vous vous rendez pas compte qu'il vous mène en esclavage, ce monde-là, en ce moment? Il est en train de vous mener en esclavage. Vous vous rendez compte qu'après le confinement, vous allez être obligé de travailler plus pour alimenter ce que l'État a perdu et ce qu'il vous a soi-disant donné, puisqu'au final, il vous donne rien, puisqu'il vous le reprend. Il va demander à ce que vous travailliez, que travailliez plus, peut-être pour un salaire idéal, voire moins. Et c'est tout à fait normal, ça choque personne. Ben ouais. Et sous le voile, voilà, sous le voile du Covid et sous le voile du confinement, hein, ben, on va vous faire travailler plus. Vous comprenez, il faut bien que le système il gagne des sous quand même. Oh, ben oui, vous vous rendez pas compte tout ce qu'il fait pour vous aussi, c'est hallucinant ça, hein. Mais comment on peut croire encore? Mais comment? 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 Comment peut-on encore faire confiance à ce système? C'est ça. J'ai du mal. J'ai du mal. Je comprends pas. Ah, je comprends pas. Le problème, c'est qu'il y a trop d'infos et que les gens ne savent pas où est la vérité. Bah, Maroussia, c'est vrai qu'il y a trop d'infos. Mais c'est pas que les gens ils veulent pas, ils peuvent pas savoir. C'est pas ça. C'est qu'ils ne veulent pas savoir. Alors, soit parce que ça leur fait peur de savoir, en fait, qu'ils se font manipuler depuis des années, hein, et qu'ils ont peur de changer. Donc, à partir du moment où ils prennent conscience qu'ils se sont fait manipuler, forcément, ils vont se dire, oh merde, il va falloir que je change. Et là se pose la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à perdre tout ce que j'ai aujourd'hui juste pour le changement? Bye bye ma belle. Est-ce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour le changement? Alors il y en a, ils sont prêts, hein, il n'y a aucun souci. Et d'autres, bah,
On reste accroché encore un peu, hein. Internet, c'est cool. Notre petit canapé, il est cool. Ouais, aller dans la verte, c'est bien, mais pour prendre l'air, hein, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. On vous dit pas non plus de changer votre vie à 100%. On vous dit juste de changer votre façon de penser, votre façon d'agir. On vous demande pas de tout faire tomber, on vous demande pas de tout casser. Ça, la nature, elle sait où elle doit taper, où elle ne doit pas taper. Donc, faisons confiance à la nature, elle sait. Ça veut pas dire que tout va. Ça veut pas dire que tout va partir à la dérive et que la Terre va exploser. Non. Ça veut juste dire changeons notre façon de voir les choses au quotidien. Changeons notre façon d'agir. Hein. Moi, quand je vois près de chez moi que. Malgré le confinement, bah, quand je me baladais en forêt, il y a encore bah, des canettes par terre, il y a des trucs comme ça. Non, mais les gars, ça vous dérangerait de prendre une poubelle avec vous et de mettre vos merdes dedans pour les jeter un peu plus loin dans les containers? Si ça vous coûte? Alors, elles sont plus lourdes. Je vous rappelle quand même que les canettes, elles sont quand même plus lourdes quand elles sont pleines que quand elles sont vides. Donc de ce fait, elles seront plus faciles à transporter vides que pleines. Donc les mettre dans un sac et les mettre dans un conteneur, ça serait sympa aussi. Parce qu'en général, c'est moi qui le fais, moi et puis mon fils. Et ouais, on n'est pas payé pour ça, mais on le fait. Voilà. Et on. Là, en ce moment, avec le confinement, et quand on sort, voilà. Voilà. Et c'est pas mon boulot, hein. Mais je le fais. Pourquoi? Parce que. J'ai pris la décision, moi, de faire quelque chose pour la planète. C'est tout. Et je fais à mon niveau. Je fais ce que je peux à mon niveau. C'est tout. On ne demande pas de faire des changements radicaux, phénoménaux, et tout ce qui s'ensuit. Non, chacun à son niveau. J'ai proposé mon aide, à mon quartier, mais bon, je peux pas. C'est vrai que j'ai proposé mon aide, mais au final, je suis un peu coincée puisque je me vois mal aller à droite et à gauche avec mon mari qui vient de se faire opérer. Ça serait un petit peu risqué quand même. Donc, mais si je peux aider en étant en contact avec des gens qui se sentent seuls ou n'importe, je le fais. Il n'y a aucun souci. Je peux discuter avec eux, les faire se sentir moins seuls. Je sais pas. Il y a mille et une façons d'aider. Mille et une façons d'aider. Alors bon, voilà. Que vous dire d'autre, à part ouvrez les yeux, les amis, hein, parce que. Ah oui, là, un dernier truc sur le pape, là. Un dernier truc sur le pape. J'ai vu passer sur Facebook que le 20 mai, le 20 mai, il allait déclencher le nouvel ordre mondial. Ah, il allait mettre en route le pape. Le pape. Son Altesse, voilà, prends vous le nouvel ordre mondial. Alors ça, si c'est pas du lourd, je vous demande ce que c'est. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il a refusé en fait, qu'il a refusé d'être le vicaire du Christ, hein? Parce que le contraire du Christ, c'est l'Antichrist quelque part. Donc s'il a refusé d'être le vicaire, donc c'est-à-dire le vicaire, c'est-à-dire grosso modo, hein, le vicaire, c'est-à-dire le porte-parole du Christ sur terre. S'il a refusé d'être le porte-parole du Christ sur terre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Je sais pas. Tout à fait, Jacqueline. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est malheureux parce qu'en fait, c'est bien de partir à l'aventure, non? Moi, je sais pas, moi, depuis que je me suis dit que je ne voulais plus faire partie de ce système, mais alors, je pars à l'aventure tous les jours. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure parce que je sais jamais ce qui va m'arriver. Je sais jamais ce qui va me tomber sur le coin de la gueule. Jamais. Et pourtant, je suis bien. Je suis bien. Et alors, non, je suis bien, oui, dans mon cœur, je suis bien. La seule chose qui aurait tendance un petit peu à m'agacer, c'est de voir la bêtise de certaines personnes. Ça aurait tendance à m'agacer. Mais au final, pourquoi m'agacer? Ça sert à rien, hein. Chacun a son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut.
Si vous voulez rester accroché au système, c'est leur problème, c'est pas le mien. Chacun fait. Et faut ça jouer égoïste à un moment donné, hein. On s'est battu. Moi, d'autres personnes, moi, d'autres personnes et moi plutôt, on va dire comme ça. On s'est battu pendant des mois pour faire voir la vérité aux gens. Bon, ils n'ont pas voulu la voir, ils n'ont pas voulu la voir. C'est pas un problème. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun son libre arbitre. Si tu as envie de rester avec le système, eh ben reste avec le système. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais viens pas te plaindre après. Voilà. Après, ceux qui ont décidé de changer, de choisir leur camp et d'aller du côté de la lumière et du divin, parce que ce que beaucoup n'ont pas compris quand même, hein, Jacqueline, ce que beaucoup n'ont pas compris, je te parle à toi puisque tu viens de m'envoyer le message, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que là, en ce moment, actuellement, on est en train de vivre une guerre entre le bien et le mal. Et ça se joue pas que sur Terre, hein, ça se joue sur beaucoup d'autres plans. Voilà. Je suis désolée, je suis désolée, mais il y a beaucoup de signes annonciateurs d'un renouveau. Si vous ouvrez les yeux, si vous sentez les énergies, les vibrations, vous verrez que il y a beaucoup de signes d'un renouveau. Pour ceux qui ont choisi leur camp et pour ceux qui veulent aller vers la lumière, ils sentent qu'il y a un changement. Ils reçoivent les énergies, ils reçoivent les. Fouf, c'est. Je vous dis, moi, depuis ce matin, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. Je ne le fais pas parce que mon mari va me prendre pour une tarée. Mais là qu'il est couché, pour le coup, je vais pouvoir le faire, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Donc, il faut choisir son camp, vraiment, 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 vraiment. Le coup de rester le cul assis entre deux chaises, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Parce qu'à un moment donné, soit vous choisissez le camp du système, soit vous choisissez l'autre. Et il n'y a aucun mal à ça. Vous choisissez le camp que vous voulez. Si vous voulez rester dans le système, vous restez dans le système. Si vous voulez aller vers la lumière, vous allez vers la lumière. Ceux de la lumière ne vont pas venir faire chier ceux du système. Alors ceux du système ne viendront pas faire chier ceux de la lumière, parce que la lumière sera là pour vous dire stop. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je fais là, comment dirais-je? C'est peut-être un peu fanfaronné. Un petit peu. J'arrive pas à trouver le mot, mais voilà. Ce que j'essaye de faire, et peut-être que je le ferai jusqu'au dernier moment, je sais pas, hein, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'ouvrir, de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux. C'est très difficile quand les gens ne veulent pas, hein. Quand ils veulent garder leurs œillères comme ça et qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux, c'est très 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 compliqué de leur faire voir où est la vérité ou pas, hein. D'ailleurs, on a mis même certaines personnes ont mis un certain temps pour savoir où s'arrêtait le mensonge et où commençait la vérité. On a été aidés un petit peu quand même là. Ouais, on a été aidés. Faut dire qu'il suffit qu'on soit un petit peu ouvert d'esprit et qu'on regarde autour de nous et on voit tout de suite qu'il y a des choses qui tombent pas. Alors, écoutez, je vais pas passer l'après-midi à tourner en rond. Je crois que ce 11 mai va être une date. Le 11 mai, le 11 mai, que dis-je? Le 11 mai, c'est ce qu'on nous a dit, le 11 mai. Hein? Mais il ne faut pas oublier que faut pas oublier qu'il y a des plaintes quand même qui ont été déposées. Hein? Et que les tribunaux, les avocats et tout ça attendent avec impatience qu'il y ait le déconfinement pour mettre en branle toutes ces activités et tout ce fait que de pouvoir mettre faire un peu le ménage dans tout ça. Oui. Donc le déconfinement, quelque part, c'est une épée de Damoclès sur la tête du gouvernement. Ben ouais. Donc peut-être 11 mai ou peut-être pas. Donc ils sont en train de préparer juste pour le 11 mai.
Mais peut-être que ça va être prolongé parce que au final, nous lâcher trop tôt, c'est peut-être pas bon non plus, hein, parce que on va les retrouver les gilets jaunes dehors à l'extérieur, on va les retrouver. Et puis pas que les gilets jaunes d'ailleurs, il y a d'autres mondes, il y a d'autres personnes. On va se prendre le hein, on s'en fout du Covid, on va tous se réunir et je vais vous dire que ça risquerait de faire du mal. Bon, bref, moi j'irai pas. Je sais pas, papa. Papa quitter ma maison. Voilà. Je fais partie des personnes à risque. Ouais, je veux pas. Je suis obligée de rester à la maison. La vie. En plus, j'ai pas le vaccin, puis j'aurai pas le vaccin, puis j'en veux pas du vaccin. Donc, confiné, confiné, confiné. Bah voilà. Bah écoutez, chacun voit ça comme il veut. Chacun choisit son camp. Hein. Chacun, bah écoutez, si vous pensez que je vous raconte des conneries, ben, allez voir sur Internet. Hein. Problème, c'est que même si vous allez voir sur Internet et si vous trouvez des réponses à vos questions, mais que les réponses ne vous conviennent pas, vous allez dire que c'est des conneries de toute façon. Donc, si vous avez essayé de ne pas le voir, vous ne le verrez pas. Vous le verrez que si vous avez essayé de dire, bah ouais, moi je veux changer, je veux des réponses à mes questions. Et là, vous aurez les réponses à vos questions. Mais encore faut-il le vouloir. Voilà. Allez chercher sur Internet. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui veulent savoir de quoi je parle, remettez-la depuis le début. De toute façon, je vais la mettre sur YouTube. Remettez-la depuis le début et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, en plus de ceux, bah, de ceux sur la page. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous et à me dire, et à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous invite sincèrement à me dire ce que vous pensez de cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui, de ce live que j'ai fait aujourd'hui. Au sujet de ce fameux 11 mai. Hein? Qui d'entre vous, les parents qui sont là, est-ce qu'il y a des parents parmi vous qui mettront leurs enfants le 11 mai à l'école? Fatou, tu mettras ton fils ou ta fille à l'école? Jacqueline, si tu as des enfants ou si tu as des petits-enfants, tu conseilles à ce qu'on les mette à l'école le 11 mai? Et tous les autres, vous. Ah, mais Jacqueline, je vais te dire, moi, les coups fourrés du gouvernement, je suis désolée, hein. Je veux pas me prendre pour ce que je ne suis pas, mais je les connais, les coups fourrés. Me méfie de tout, contrairement à d'autres. Je me méfie de tout. D'où le fait que, non, pas d'école le 11 mai pour moi. Désolée. Désolée. Et si quelqu'un doit venir me taper à la porte parce que mon fils va pas à l'école, ben j'attends. J'attends. Et j'apporterai des preuves comme quoi mon fils apprend mieux à la maison qu'à l'école. Moi j'attends. Je suis prête. Moi, quoi qu'il arrive, alors moi je vais vous dire un truc, quoi qu'il arrive, je suis prête. Parce que je suis ouverte à tous les possibles. Je suis ouverte à tous les possibles. Et à partir du moment où vous êtes ouvert à tous les possibles, plus rien ne vous interpelle. Plus rien ne vous interpelle. Parce que vous êtes ouvert à tout et donc vous n'êtes plus étonné de rien. Sauf de la connerie humaine. Elle n'a pas de limite, celle-là. Elle est pire que l'univers. Ouais, comme disait Einstein, il y a deux choses qui sont sans limite, c'est l'univers et la connerie humaine. Et encore pour l'univers, on n'est pas sûr. Donc c'est vous dire à quel point la connerie humaine est importante. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est une citation d'Einstein. Allez voir sur Internet. Voilà, c'est tout. Ouais, ben, tu sais quoi? C'est marrant parce que depuis un certain temps, je parle avec des gens et je me rends compte qu'au final, les gens ils sont de plus en plus ouverts en fait, le confinement a beaucoup servi finalement. Depuis le temps que je disais que le confinement allait servir, hein, ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai fait en disant que le confinement, au-delà du virus, le confinement était une très bonne chose que les gens puissent prendre. Comment se reposer, prendre du recul et voir un petit peu où se situait la vérité vis-à-vis de leur cœur. Et ben, c'est dingue, les gens que je croise. Alors déjà, les gens sont beaucoup plus ouverts par rapport à avant. Enfin, certains. Hein.
Bien. Merci, Fatou. Idem. Bienvenue. Les gens, ce confinement a permis aux gens de réfléchir et de voir qu'en fait, certains, pas tous, hein, il y en a qui sont encore bien accrochés, hein, mais beaucoup se sont rendus compte qu'en fait, qu'on les menait en bateau depuis le début, et que du coup, ils n'allaient plus faire confiance ni au président, ni rien du tout. Ils allaient faire confiance à leur cœur, à ce qu'ils ressentaient. Et ben voilà, c'est bien. Quand on fait confiance à nos ressentis plutôt que à ce que nous raconte le président, parce que nos ressentis, c'est ce qu'on sait à l'intérieur de nous, et ça n'a aucune connotation religieuse parce que c'est absolument ni religieux ni une secte, c'est juste une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Et cette façon de vivre, eh ben, si vous l'écoutez, si vous écoutez au fond de votre cœur, elle vous dit ce que vous devez faire ou pas. Et moi, on me dit, quitte le système, va voir ailleurs parce que c'est pas fait pour toi. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne fais que être là pour vous dire ce que je ressens et comment je vois les choses. Moi, je suis une observatrice, c'est tout. Je ne suis que ça. Quand il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais chercher, je vais savoir, je vais chercher à comprendre. Alors oui, je passe pour une folle dingue. Oui, je passe pour une illuminée. Oui, je passe pour tout ce que vous voulez. Mais si vous saviez ce que j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens de moi, parce que je vous dis ce qui se passe, parce que j'ai été faire des recherches, parce que j'ai été m'informer. Mais alors, vous allez courir avant de m'attraper, hein? Et moi, je cours pas, hein? Parce que c'est tellement évident, mais ça saute aux yeux, je sais pas. Ayez un peu de logique, faites travailler vos neurones. Et un peu de logique, je sais pas, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir qui ne le voient pas au final. Si vous ne voulez pas le voir, c'est que vous. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous ne voulez pas le voir. Hein. Parce que c'est clair comme le blanc. Alors moi, il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu pas mal, qui ont perdu leur boulot, qui sont un petit peu. Mais peut-être que leur boulot, c'était parce qu'il leur fallait. Peut-être qu'ils ont besoin d'un autre boulot. Peut-être que c'est le moment de chercher un autre emploi qui vous convient mieux. Et peut-être que vous gagnerez moins, mais peut-être que vous serez plus heureux. Parce que le travail ne doit pas être quelque chose où vous allez le matin en tirant la gueule parce que vous allez vous retrouver à faire un travail que vous n'aimez pas et pour lequel vous serez payé une poignée de cerises. Quitte à être payé une poignée de cerises, autant faire quelque chose qui vous plaît. Et beaucoup se sont cassés la figure, mais beaucoup se relèveront aussi parce que ce confinement leur aura permis de comprendre qu'au final, c'était pas leur travail, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire autre chose. Alors, ils vont profiter du fait que leur boîte se soit cassée la gueule pour en ouvrir une, mais une qui leur convient davantage. C'est ça aussi le changement. C'est ça aussi vouloir changer. C'est ça aussi vouloir voir les choses de l'autre côté, c'est-à-dire faire en sorte. De toute façon, vous voyez bien, depuis qu'on est en confinement, la nature elle revit. Est-ce que vous croyez que la nature elle a besoin de nous? Hein? Nous sommes le virus de la nature. La nature elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Elle vit très bien sans nous. Nous sommes le virus de la nature. Donc, quand on aura compris ça, hein, et ben, on sera peut-être un petit peu moins orgueilleux. Hein? On fera peut-être plus attention à la nature et on fera des choses pour nous mais en relation avec la nature, c'est-à-dire qu'on fera des choses pour nous mais qui ne sont pas contradictoires avec le bien-être de la nature. C'est-à-dire que par exemple on ne laissera plus traîner nos saloperies dehors, hein, par exemple, ou que plutôt que de faire un voyage autour du monde en avion, peut-être qu'on fera je sais pas moi, en bateau, à la voile. C'est aussi bien. Enfin, moi, je dis ça, c'est des idées comme ça. Hein. Il faut changer radicalement notre façon d'être. Voilà. Si on veut qu'il y ait un changement, il faut qu'on change notre façon d'être. Avouez que l'enseignement actuel n'a rien à voir. Ils apprennent aux enfants des choses qu'ils s'en serviront pas. Ils en ont rien à foutre de ce qui se passe à l'école. Ils en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'ils décrochent. Ils en ont rien à foutre. Moi, mon fils, il est super. Il a appris à lire en 2 mois. En 2 mois.
Oui, oh, ça fait un mois et demi de confinement, plus ou moins. Un mois, ça fera, je sais pas combien, mais j'ai arrêté de compter. Bref, il a appris à lire. Il savait pas, non? Et ils ont tout essayé à l'école, hein? Ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas. Ici, en quelque temps, il a appris. Manu dit que le déconfinement, à cause de l'injustice sur le confinement par EXN, il y a des gens qui se confinent en se bronzer à leur jardin, et que d'autres quoi? Que d'autres sur leur terrasse. Et quoi, t'as pas le droit de te faire bronzer sur ton jardin ou sur ta terrasse? Ça sert à quoi d'avoir une terrasse alors si t'as pas le droit d'y aller? Ou un jardin, si t'as pas le droit d'y aller? J'ai pas tout compris là. Regeg, Jamel, j'ai pas tout compris là, franchement. Hein. Fatou? Ceux qui laissent traîner leur saloperie dehors sont ceux qui ne respectent pas le confinement. Non, pas que. Je peux t'assurer qu'il n'y a pas que. Non, non. Non, non. Il y en a qui respectent bien le confinement, mais qui laissent leur saloperie par terre. Ça, je peux te l'affirmer. Hein. J'observe, t'inquiète. J'observe, mine de rien, comme ça, j'observe. J'ai pas l'air comme ça, mais j'observe. Et je peux te dire que c'est pas forcément les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. C'est sûr qu'il va y avoir un sacré changement dans tous les plans qui sera très positif au long terme, bien sûr, qu'il y aura des sacrifices à faire, mais notre mode de vie aura une excellente qualité. Oui, mais oui, Jacqueline, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme je dis, si je me permets aujourd'hui de parler et de vous dire ce que je ressens, c'est parce que j'ai en plus des ressentis que j'ai, ça on n'y croit pas, c'est pas un problème, c'est que j'ai du vécu derrière moi. C'est que c'est tout le vécu que j'ai eu, bon ou mauvais. Et alors là, je reprends les paroles d'Aurore, je suis désolée, mais on a vécu la même chose, je peux rien. Hein. Dès toute petite et jusqu'à maintenant, j'ai eu une vie de merde. Voilà. Et comme j'ai eu une vie de merde, à partir du moment où j'ai mis le pied en France, exactement. À partir du moment où j'ai mis les pieds en France et jusqu'à une dizaine d'années en arrière, j'ai eu une vie de merde. J'ai eu beaucoup de petits bons moments et j'ai eu beaucoup de gros mauvais. Voyez? Hein? Ce qui m'a appris, en fait, à ouvrir les yeux et à voir, à observer. Bah, aujourd'hui, je peux me permettre de conseiller. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent me voir et qui me demandent conseil parce que ils ont plus besoin d'un thérapeute en fait que d'autre chose. Ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute, qui sont là et qui les écoute, qui les conseille parce que ils sont un peu perdus dans tout ça. Et à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert que j'ai vécu tout ça pour aujourd'hui garder tout ça pour moi et ne pas partager? Si, je partage. Je partage tout ce que j'ai vécu, je partage tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'est arrivé. Je partage et si ça peut aider les gens à avancer, eh ben j'en serais contente. Voilà, tout simplement, j'en serais contente. Après, chacun fait comme il veut et comme il le sent. Mais jusqu'à maintenant, sans vouloir me mettre une couronne, hein, même si j'ai un joli serre-tête, hein, vous avez vu, sans vouloir me mettre de couronne, jusqu'à maintenant, toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne se sont avérées exactes. Et pourtant, ça fait quoi? Ça fait peut-être un an? Un an et demi? Pardon. Ça fait un an et demi que j'ai commencé. Elles se sont toutes avérées exactes aujourd'hui. J'ai prévenu il y a des mois à l'avance et elles s'avèrent exactes aujourd'hui. Alors, je ne suis ni devin, ni messie. Je ne suis ni chef de quoi que ce soit. Je suis qu'un être humain incarné sur Terre aujourd'hui et maintenant. Et grâce à toutes les souffrances que j'ai eues de mon passé, je peux aider les gens à aller mieux aujourd'hui. Je peux les aider s'ils veulent. Je ne vais pas aller voir les gens, taper à leur porte et leur dire Allô, coucou, c'est moi, je viens t'aider. Non.
Si vous voulez, je peux vous aider, mais à condition que vous veniez demander de l'aide. Parce que le temps d'envoyer de la lumière à tout le monde et de se dire que tout va bien et que tout le monde a changé de camp, c'est pas vrai. Tout le monde ne va pas changer de camp. Et il y en a qui vont rester accrochés au système, et c'est très bien. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Sauf que voilà, je vous dis que si je me permets aujourd'hui de faire des vidéos, c'est juste parce que je sais que je suis capable de les faire et que je suis capable de faire ce que je dis et je dis ce que je pense. Voilà, tout simplement. Donc voilà, à chacun de voir ce qu'il va faire ce 11 mai. Moi je sais, ça va rien changer pour moi. Ça va rien changer à ma vie, hein. 11 mai ou pas 11 mai, ça va rien changer à ma vie, hein. Pour moi, le microbe, le virus, il sera autant contagieux avant le 11 mai qu'après le 11 mai. Donc, bon. Ah, il y a le professeur Raoul qui nous dit que la courbe est en train de descendre. Bon, c'est que ça s'arrange, hein. Il y a moins de cas graves, donc ça s'arrange. Mais c'est marrant, hein, comme on peut faire parler les chiffres et tout, c'est. Moi, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça, je sais pas pour vous, mais on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui et par n'importe quel biais. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin bon. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, je vais vous laisser parce que j'ai un courrier à faire aussi qui est en train de me. Qui va pas être facile, mais bon, on va faire que je le fasse quand même. Donc, j'ai écouté. On est mercredi. On est mercredi, ouais. Ah, il est déjà 14h, bientôt 15h. Wow, dans 20 minutes, il est 15h. Oh là. Donc, je vais vous laisser continuer gentiment votre confinement jusqu'au 11 mai. Hein. Ça vous laisse encore un petit moment. Ah, mince, j'ai pas vu la suite. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, Jacqueline nous dit, et des qualités de vie qui vont revenir et que le confinement ont restauré sans que les gens s'en aperçoivent. La première chose, le respect vis-à-vis de sa famille, des autres et surtout de lui-même, la générosité, l'amour pour les autres, la compréhension, l'empathie, le courage, l'envie de vivre, l'équilibre. Tout à fait, mais alors je te rejoins complètement. Régueg, le confinement est plus dur sur des familles ainsi que d'autres qui sont plus aisées. Non, le confinement est dur pour tout le monde, surtout pour ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, qu'ils aient de l'argent ou pas, parce que même avec de l'argent, le jour où tu vas mourir, tu vas mourir. Hein, l'argent, il va rester sur place, hein, même si tu es Rothschild ou Rockefeller, hein, tu n'emporteras pas ton fric avec toi, hein, sois rassuré. C'est peut-être la seule chose qui est vraiment, comment dirais-je, juste. Hein? En fait, c'est le moment de la mort qui est juste. Parce que ça met tout le monde au même niveau. Voilà. Que tu sois dans un cercueil rempli d'or ou dans un cercueil entre quatre planches fait en carton, c'est exactement pareil. T'es mort, point. Après, à toi de croire ou pas qu'il y ait une vie après la mort. Moi, j'y crois parce que le corps est énergie et que les énergies ne meurent pas. Donc forcément. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort, mais bon, à part ça, je veux dire, ton fric, t'es né tout nu, tu vas mourir tout nu, point barre. Jacqueline, politesse, convivialité et aussi le classement. Maman, regarde Squeezie, il a défoncé tout, Bah oui. la douille a foncé. Ah ouais, Squeezie, il a tout défoncé. Politesse, convivialité et aussi le classement des gazons et têtes et genoux va s'estomper. C'est à espérer. C'est à espérer, je sais pas, à voir. De toute façon, moi je vous ai dit, mon camp, je l'ai choisi. À vous de choisir le vôtre, à vous de faire ce qu'il faut. Pour ma part, je vais vous souhaiter une bonne après-midi parce que je pense que voilà, c'est bon. Et voilà, je suis désolée. Je ne suis pas une réalisatrice, donc il y a des bugs des fois dans le téléphone. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi et puis merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. N'hésitez pas à mettre vos commentaires
parce que je sais qu'il y a des gens près de chez moi qui ont participé à ce live. Je ne dirai pas qui, mais n'hésitez pas à faire vos commentaires et à dire ce que vous en pensez. Moi, pour moi, moi, je vous aime. Et je vous aime tous, ce que je connais, ce que je ne connais pas. Je vous aime tous. Et Fatou, Jacqueline, je t'aime, je vous aime. Voilà. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Et soyez heureux, soyez en paix, soyez heureux. Et ouvrez les yeux, surveillez, regardez, profitez de la vie et dansez avec la vie. Il y a du vent aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, c'est beau. C'est la vie. Et c'est merveilleux. Allez, bon après-midi et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye.